C'est pour ça que j'ai dit, il y a pas mal de joueurs qui n'aiment pas les journalistes. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans TOK, votre nouveau concept en association avec Unibet et Charleroi. On le rappelle pour les premiers qui n'étaient pas là, eh bien le principe du jeu est très simple. Notre ami, notre invité qui est ici, qu'on va présenter, va piocher un petit papier, papier sur lequel figure une phrase qu'on entend souvent dans le milieu du football. Derrière, ça déclenche un débat, c'est Hervé Coffi. Comment ça va Hervé? Ça va bien, merci toi. Ça va très bien. Est-ce que tu es prêt à te faire un petit peu cuisiner avec la cacahuète? Ça va, on peut aller. Allez, t'es prêt pour la cacahuète? Allez, tiens, pioche-moi ça. Hervé, il a toujours des choses à dire, j'en suis sûr. Toujours super intéressant. Et donc forcément, il va nous régaler. Un joueur de football n'a pas son destin en main. Ah, un joueur du football n'a pas son destin en main. Qu'est-ce que vas-tu faire de la destinée de Sévère? Est-ce qu'un joueur de football a son destin en main selon Hervé? Le suspense est absolument total. Hein. Tout le monde attend derrière, là, c'est fou. Oui ou non, le vert, Hervé? Je dirais oui. Allez, un footballeur n'a pas son destin en main. Eh bien, je suis d'accord avec toi, Hervé. Je mets aussi mon vert vers le oui. Pourquoi tu as mis oui? Parce que j'ai mis oui, parce que voilà, et le football, c'est vrai, c'est une question de chance. Voilà, mais souvent aussi, il faut arriver à faire des bons choix aussi. Voilà, donc je dirais qu'un footballeur n'a toujours pas son destin en main. Mm-hmm. C'est parce que souvent, ce sont aussi les clubs, ouais, les agents, les gens qui décident et tout, voilà, à côté. Donc du coup, voilà, tu peux pas, un joueur ne peut pas prendre la décision tout seul. Voilà, donc du coup, voilà pourquoi j'ai dit qu'un joueur n'a toujours pas son destin en main. Il y a des petits... Voilà, parce qu'il y a les gens qui, de côté, qui arrivent à prendre des décisions plus fortes aussi que celles des joueurs. Donc du coup, voilà, c'est un peu ça. Ça s'est déjà arrivé, toi, de sentir parfois que tu n'avais pas forcément le choix total ou final? Non, pas encore. Pas encore? Non. Tu as toujours été maître de ton destin pour le coup? Ouais. Ah bah écoute, au moins c'est très très clair. Merci. Tu peux garder le petit ticket, le mettre sur le côté, t'inquiète pas. On va passer à la deuxième cacahuète. La voici. Alors, le suspense est absolument total encore une fois. Dans le foot, il n'y a que l'argent qui compte. Ah, dans le foot, il n'y a que l'argent qui compte. Ça, c'est intéressant. Il est où le vert? Il est où? Vers le oui? Vers le non? Vers le non. Ah, ça, c'est intéressant. Eh bien, tu sais quoi? Je vais le mettre aussi vers le non. Je vais te faire confiance là-dessus. Pourquoi non? Je dirais non parce que voilà, et dans le milieu du foot, on a des footballeurs qui sont nés déjà riches. Et si c'est l'argent seulement qui comptait, ils n'allaient pas jouer au foot. Voilà, et dans le football, il faut prendre du plaisir d'abord. Voilà, et pouvoir penser à ce qui arrive après. Voilà, donc il n'y a pas que l'argent qui compte dans le foot. Tu considères le métier de footballeur comme un travail ou comme une passion? Bon, je dirais passion d'abord et après le travail. Voilà, parce qu'il faut d'abord aimer ce que tu fais. Et voilà, c'est le plus important. Mais tout ce qui entoure justement l'argent dans le milieu du football, c'est pas aussi quelque chose qui a tendance à réduire un peu la passion? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ou tu as toujours, pour toi, la passion du football n'a jamais changé, ne changera jamais? Bon, pour moi, en tout cas, la passion ne changera jamais. Mmh. Ok, intéressant. Très intéressant. On passe maintenant à la troisième petite cacahuète, mon cher Hervé. Je te laisse y aller. Tout doucement. Ah oui, je les ai bien pliés. Hein. T'as vu, j'ai fait ça avec amour. Hein. Les footballeurs n'aiment pas les journalistes. Les footballeurs n'aiment pas les journalistes. Ça, c'est intéressant. Vers le oui ou vers le non? Oui ou non? Allez, vers le oui. Super intéressant. Moi, je pense justement le contraire. Je pense que les joueurs, ils aiment les journalistes. Et je pense surtout que ça dépend de quel journaliste et ça dépend de quoi. Mais explique-moi un peu ton choix. J'ai dit oui, c'est pas comme si voilà, on n'aimait pas les journalistes, on aime bien leur travail. Ce qu'ils font, on aime bien. Et seulement qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas trop les médias et tout, qui n'aiment pas trop les caméras, ils aiment passer leur temps sur le terrain. Après le foot, et voilà, passer de gauche à droite pour les interviews et tout.
Voilà, y a pas mal de joueurs qui n'aiment pas ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit y a pas mal de joueurs qui n'aiment pas les journalistes. Et il y a des journalistes aussi qui, sur les critiques, qui vont un peu fort. Voilà, donc ça ne plaît pas à tout le monde. Donc voilà, moi de mon côté, en tout cas, j'ai juste dit ça, pas que j'aime pas les journalistes. Ouais, moi j'aime tout le monde, j'aime bien les journalistes et tout. Mais c'est en fonction de quelques joueurs, c'est des joueurs qui sont pas trop fans des médias et tout, des caméras, voilà. Qu'est-ce qui peut te gêner parfois? Tu te rappelles d'un moment ou l'autre où tu t'es dit non, là ça, là c'est trop, là je pense qu'on a été trop loin avec moi. Bon, j'ai pas encore vécu ce moment, mais je me dis bon. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas été trop choisi pour les médias et tout. Voilà, les moments où j'ai été choisi pour les médias, je suis allé tranquillement, j'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et voilà, ça n'a pas été trop loin et tout. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une vraie différence dans le traitement de l'information quand on est un journaliste, par exemple, du continent africain, quand par exemple tu pars avec le Burkina pour faire tes rencontres, et les journalistes européens. Toi, tu le ressens aussi, la façon de travailler est différente, la manière d'aller approcher le joueur de foot aussi est pas la même? Moi, il y a une différence. Il y a une différence et voilà la manière de poser les questions et tout. Et voilà, et je me dis qu'ici, voilà, il y a les journalistes, ils ont presque toutes les informations, pardon. Donc, ils arrivent à bien chercher les infos sur les joueurs et tout, avant de venir poser la question et demander ce qui n'a pas marché sur ce côté et tout. Mais en Afrique, j'ai l'impression que voilà, ce sont des bons journalistes, ils font bien leur travail. Mais bon, sur des détails, ils n'arrivent pas à être justes. Voilà, c'est juste ça, sinon, j'ai pas de problème avec les journalistes africains. Mais bien sûr, c'est pas ça que je dis non plus. Il y a parfois peut-être un manque d'infos, c'est ça que Ouais, c'est tu ça, juste ça le expliques. problème. Voilà. Allez, la casquette. Et l'avant-dernière, c'est le quatrième petit bout de papier qu'ouvre notre ami Hervé. Le métier de footballeur est un métier facile. Le métier de footballeur est un métier facile. Alors, est-ce que c'est facile d'être footballeur en 2022? Eh ben, position vers le nom. Eh ben, tu sais quoi? Tac, moi aussi, vers le nom. Je suis pas d'accord. Ouais, pour plusieurs personnes, le football, c'est un métier facile. Ouais, moi, je dirais que ce n'est pas un métier facile. Et il faut être vraiment footballeur pour savoir et être autour, voilà, pour savoir que ce n'est pas un métier facile. Voilà, et on s'entraîne presque chaque jour. Voilà, on s'entraîne chaque jour, on joue le match. On n'a pas trop, c'est vrai, on a les vacances, mais on n'a pas trop de temps de vacances et après, on doit revenir encore. Voilà, on a seulement les vacances lorsque, voilà, on est à la fin de notre carrière et tout. Voilà, donc je dirais que c'est pas un métier facile et en plus il y a pas mal de pression aussi. Voilà, donc c'est un métier qui est très compliqué. Voilà, je sais qu'il y a la pression aussi dans tous les métiers aussi, mais le football, je dirais, voilà. Mais spécifiquement, Hervé, qu'est-ce qui n'est pas facile dans ton métier? Qu'est-ce qui fait en sorte que ton travail aujourd'hui, tu peux dire que c'est pas facile le métier de footballeur? Dans le concret. Se lever le matin, aller s'entraîner tous les jours, il y a des choses Ouais, il y a qui. tout ça, il y a tout ça. Se lever le matin, supporter la pression et les entraînements et tout. Voilà, il y a tout ça, je dirais, il y a tout ça aussi, c'est pas simple. Et le fait que c'est un métier aussi qui dure très peu de temps dans le temps, hein. Ah. Maximum, il y a quoi? 15 ans, 20 ans de carrière? En plus, les postes de gardien de but aussi, c'est délicat aussi, c'est pas comme les autres postes. Ouais. Si t'es numéro 2, forcément tu joues moins et Ah, psychologiquement c'est pas t'es pas forcément trop bien, ouais, facile. si. Voilà. Allez, la casquette et le dernier petit bout de papier à ouvrir. Les footballeurs ne s'intéressent qu'au foot. Les footballeurs ne s'intéressent qu'au foot. Ça veut dire qu'il n'y a que les footballeurs, que le foot, pardon, qui intéresse Qui les intéresse les footballeurs. footballeurs? Le vert, il va dans quelle direction? Il reste vers la gauche ou alors il se tourne vers la droite? Ça reste. Il reste vers le. Ah bah je suis d'accord avec toi. Je trouve aussi que les footballeurs, eh bien, ne doivent pas Si, forcément être intéressé au foot. catalogués, d'être intéressés qu'au foot. Toi, par exemple. Moi, en tout cas, j'aime bien regarder le foot à la télé et tout. Voilà, et j'aime avoir les informations sur le foot d'autres joueurs et tout, et voir ce que les autres aussi font sur le terrain et tout. Donc, voilà, je dirais de mon côté, et je m'intéresse au foot. Et de l'autre côté aussi, peut-être j'ai d'autres sports aussi, j'ai d'autres trucs aussi à suivre. Voilà, même si c'est pas chaque fois.
Voilà, mais je m'intéresse pas seulement qu'au foot. Mais quand tu dis pas qu'au foot, c'est pas nécessairement du sport. Hein. C'est au-dessus d'autre chose, hein, bien sûr. Il y a autre chose qui t'intéresse dans la vie ? Moi, personnellement, pour le vrai, d'abord, je suis d'abord concentré sur le foot. Voilà, et d'autres trucs à faire de gauche à droite, bon. Non, mais dans le sport, tu dis par exemple, je m'intéresse à d'autres sports. Oui, le MMA, la boxe, le tennis, le basket. Il y a quoi comme sport qui te fait vibrer autrement que le foot ? Je dirais le basket. Ouais. Le basket, ouais, mais je suis pas ça tout le temps, ouais, mais j'aime bien aussi le basket. Et quoi encore ? L'athlétisme. L'athlétisme, ah ouais. Oui, mais on a des grandes stars ici en Belgique avec Nafissa Toutiam, ouais, notamment, l'athlétisme, ouais. Une très très grande championne. C'est vrai que c'est un sport assez populaire d'ailleurs en Belgique. Eh bien écoute, merci beaucoup pour tes petites réponses, pour tes réponses très franches et très claires, comme à ton habitude. Le chat a bien répondu, le chat a dit ses vérités. Donc merci Hervé. Merci à vous. Et on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode de T'es OK.